Oh, t'as qui, attends. Un flingue, les amis. Et je suis passé hier. Allez, on continue. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle pêche à l'aimant. Donc les images que vous allez voir datent d'il y a au moins 2 mois en arrière par rapport à cet instant T. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans ce lieu, j'ai trouvé énormément de choses. Beaucoup de choses qui sont pas très très catholiques, dangereuses. Et comme j'ai fait beaucoup d'interscènes, comme à mon habitude, pour vous faire découvrir la beauté de l'endroit, je me suis dit que si c'était le lieu était reconnu, je voulais venir énormément de fois pour dépolluer au maximum, afin d'éviter que des jeunes ou des adultes qui n'ont rien dans la tête viennent faire de la merde ici. Donc depuis 2 mois je viens régulièrement, j'ai pas toujours fait de vidéo pour continuer de dépolluer. Les 2 dernières fois j'ai trop rien relevé, donc je pense qu'à Yé j'ai enlevé tout ce qui était merde et surtout tout ce qui était dangerosité. Là on est milieu septembre et je vais refaire 1 heure ou 2 de pêche à l'aimant ici. Je vais certainement ressortir la caméra, mais pour vous dire que cette vidéo va vraiment être faite dans le désordre. Mais c'était vraiment dans le but de préserver le lieu et surtout de faire attention au contenu qu'on propose sur internet, parce que je ne voudrais pas qu'il arrive un accident par rapport à ce que j'ai trouvé ici, même si c'est des choses qu'on peut trouver ailleurs. J'ai trouvé que le spot était quand même assez riche en émotions. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça et au fil de cette vidéo, on va se retrouver aujourd'hui en septembre. Allez, à tout de suite. Donc bonjour à tous. On se retrouve toujours pour une pêche à l'aimant. Donc là, je suis dans le premier lieu que je devais faire à la base, que je vous ai parlé dans la dernière vidéo de la pêche à l'aimant. Donc comme vous pouvez le voir, l'endroit est charmant. Bon, il est beaucoup plus petit que l'autre, donc la vidéo risque de durer, je pense, beaucoup moins longtemps. Donc je vais faire comme j'ai l'habitude de faire, chaque rangée du lavoir, excusez-moi pour le vent, et je vais faire un petit peu ici aussi, et si je peux un petit peu au niveau du pont. Allez, à tout de suite, en caméra embarquée bien sûr.
Dernier lancer les amis. Puis après je vais aller sur le côté, puis ça va être bon pour aujourd'hui. J'ai trouvé pas mal de petits trucs sympas quoi. Les amis, je vais faire quelques petits coups encore ici. Je vais couper cette caméra parce que j'ai plus beaucoup de batterie. J'aimerais m'en servir pour boucler cette vidéo, donc j'ai encore mon embarqué. Bonsoir. Fais pas gaffe, hein, c'est moi qui a sorti plein de ferraille là. Ah bah vous voyez là déjà, j'ai fait un OQ avant, j'ai rempli un sac de au moins 25 kg. Et là depuis tout à l'heure, j'arrête pas d'accrocher un truc. Alors soit c'est une branche, soit c'est un truc mais qui est super gros quoi. Genre un chaudron ou... Ah bah c'est partout comme ça. Hein. Et souvent même les petits trucs, là j'arrête pas de lâcher. C'est là, je l'ai ramené, c'était là-bas, alors c'est peut-être une branche, mais tiens, bah j'ai un fil. Ouais. Ah non, c'est bien pollué ici aussi, hein. Parce que j'en ai encore là sur le côté, là. Ah, c'est peut-être ça que j'avais.
c'est possible. Et là, je commence à le perdre de vue, quoi, parce qu'il se déplace, le truc. Voilà, je pense que je vais laisser tomber. Parce que ça se trouve, c'est une branche, vu les bulles que ça faisait. Ah ouais? Ah bah c'est peut-être ça alors. Parce que vu comment ça fait. Parce que là je sens un truc encore, je sais pas si c'est ça ou quoi. Encore une grosse barre de fer. Ah bah c'est peut-être elle. Oh la vache! Ah bah ça se trouve c'est ça. Une barre de fer, elle fait au moins 2 mètres. Bah les amis, on va arrêter là pour ce soir. Gardez déjà dans ce petit coin tout ce que j'ai trouvé. Un cul de chaudron. Ça doit être une serrure de porte. L'écrou de la porte. J'ai retrouvé un vieux cadenas. Un cintre. On se demande bien ce qu'il fout là. Bon, ça c'était sur le bord de la rivière. Il me semble, je dis bien il me semble. Je me demande si ça et ça. C'est pas des vieilles cartouches de fusil. Mais bon, ça me paraît un peu. Paraît bien abîmé pour ça. Et la grande barre là que j'en ai chié à la sortir, j'ai fait au moins 10 lancers. Donc encore un spot à revenir. J'espère que ça vous a plu. Regardez-moi. Bon les amis, on est le lendemain du début de vidéo que vous venez de voir. Donc c'était nickel ici. Et là je vois quoi ? Une bonne dizaine de poissons fraîchement pêchés qui ont été jetés sur la prairie. Si je reviens aujourd'hui, c'est parce que hier j'ai dû quand même partir assez vite parce que je lançais une vidéo en avant-première. Donc là je vais refaire un petit coup ce soir pendant une heure et demie. Il y a Cathy qui est avec les petits et un autre aimant. Donc du coup dans la même vidéo vous aurez deux jours différents mais un peu dans le désordre. Allez à tout de suite. Donc petite vidéo bonus les amis, il y a beaucoup de vent. Veuillez m'excuser. Donc pas de truc historique. Mais encore un petit peu de pollution avec de l'essence. Ça a l'air d'être un truc thermique. Donc je vous refais un petit bilan après où ce court passage va finir cette vidéo. Oh t'inquiète hein. Un flingue les amis. Et je suis passé hier. Allez on continue.
Décidément, j'ai bien fait de revenir. Un sécateur, et ça, je crois que c'est une barre à halter ou un engrenage de je ne sais quoi, mais ça se visse. Ça fait pas longtemps que c'est là. Ça, ça doit être un boulon et une pièce. Voilà, qu'est-ce que tu as attrapé de beau? Bah, ouais. Ça, déjà, ça vaut la soirée. Ça. Ah, si, un écrou. Ouf. Donc le temps qu'on s'accroche. Là, tu vois, ça accroche. Ouais. Ouais. T'as lâché, mais ça a accroché un petit peu. Après, tu fais des pays. Elle touche comme ça. Curieux les gens. Bonjour. Faut dire bonjour quand c'est comme ça. Ah c'est vrai hein. La curiosité, bon bref. Pas te mettre une GoPro, vous. Oui. Dans un téléphone. Mmh. Ah, ça fait l'autre barre de muscu. L'autre barre. Bon, c'est peut-être quelqu'un qui en avait marre. Hein, qu'est-ce que ça fout là, quoi. Peut-être quelqu'un qui en avait ras le bol de faire de la muscu. Pardon. Je pense qu'il s'en est servi, je te dis, comme enclume. Oui. Enfin, pas en plume comme truc là pour les bateaux. Là. Ouais, ouais. Ouaf. Ouaf, le chien. On a déjà bien ratiboisé ici. Hein. Mmh. Et tu vois, tous les jours on en sort encore. Bah ouais. Ça ferait des petits trucs. Mais c'est. Ici, c'est que des, tu vois, des trucs comme ça. Mmh. Là, il y a déjà au moins 10 kilos. Là. Ah bah, facile. C'est pas un chargeur ça? Oui. Ah, de bouger déjà. Et je le filme. Je sais pas, il y a l'air d'avoir des grosses boules là. Ils sont plus là les tiros. Les enfants.
Mais je pense. Là, j'essaye peut-être à limite encore un peu plus loin. Un peu par là peut-être. Bah, il faudrait que tu essayes dans cette. Ouais. Parce que à mon avis, très près du lavoir, ce sera beaucoup de choses qui vont appartenir au lavoir en fait. Ça va les minicules? C'est un poisson. C'est un poisson. C'est là. Pas plus grand chose. Un lingot d'or. Un lingot d'or. Ah, non. Bah non, ça a tellement de pas l'or. Bah, on sait pas. Faut toujours espérer. Et imagine, t'as une grosse boîte, tu ouvres la boîte, il y a des gros lingots d'or, tu fais quoi avec? Ah bah je le montre même pas en vidéo. Oh tiens, bon, il tutou là. Le tutou il fait ouf. Là, je referme ma gueule et puis je rentre chez moi. Puis je referme ma gueule. Oui, bah, bien sûr, je vais faire. Bon, bah, c'est quoi? Ah, ça fait. C'était une carpe. Attends ton corps. Là et là-bas. Nous qui voulions la dernière fois de la faune sauvage. C'est quoi qui fait ce bruit là? C'est grenouille. Maman, comment je fais? Attends, j'essaie de voir un peu où ce que je vois. Maman, comment je fais? Hop là, je vais trop loin. Regarde. Chut, faune. C'est pas facile quand t'as pas le trépied. Hein. Ça veut dire synonyme de changer de point. Hein. Tiens, tu vois, il y a encore une plaque là. Au-dessus de l'eau, regarde, comme de l'huile. Ça pour moi, c'est qu'il y a de la merde qui est dessous. Ou alors c'est de la vase, mais c'est bizarre comment ça fait. Bon bah voilà les amis, on est reparti pour le jour de septembre, début de la vidéo. Donc je vais commencer ma pêche à l'aimant. Je viens de tout sortir, le matériel est ici, je ne vais pas filmer en permanence. Hein. Je vais mettre en route que si j'ai des choses à vous montrer. Et on va commencer, donc je vais faire comme ça d'habitude. Je fais cette zone là, après je vais dans le lavoir et je vais tout droit. Et on verra bien si je ressors encore des choses pour la énième fois. Allez, à tout de suite. Bon bah les amis, j'ai fait une bonne dizaine de lancers ici. On va aller à l'intérieur. Et vous voyez, j'ai sorti que ça. Donc ça commence à sentir bon pour ce lieu. Bien fait le ménage. Donc maintenant je vais aller faire une vingtaine de lancers à l'intérieur. Et puis bah je pense que enfin je pourrai monter cette vidéo que je vous prépare depuis des mois. Allez, à tout de suite. Ouais, triste réalité à chaque fois que je vais ici. Je suis obligé d'enlever la merde des autres. Des fois, elles sont même pas terminées. Voilà. Donc, je vais prendre toute cette merde en même temps que dépolluer la rivière, comme si qu'il n'y en avait pas assez à faire déjà. Je tenais à vous montrer ces images. Et régulièrement, vous voyez, il y a du verre de cassé, etc. Allez, c'est parti. Bon bah les amis, j'ai fait une bonne vingtaine de tirs ici. Je vais devoir revenir encore avant de vous proposer cette vidéo. Parce que je crois avoir sorti de nouveau un canon d'arme. Je ne suis pas sûr, faut que je le nettoie. C'est peut-être tout simplement une tringle de rideau. Mais pour moi, ça a bien l'air d'être une arme.
J'ai ramassé la merde, hein, évidemment, et j'ai aussi donc, mon couteau cuillère, ça j'ai envie de vous dire, c'est pas méchant. J'ai encore des balles, donc c'est pas encore nickel. Donc de toute façon, comme cette vidéo ne sortira pas avant au moins octobre ou novembre, attendez, je vais me mettre comme ça, c'est un petit faux jour. Cette vidéo ne sortira pas avant octobre, voire novembre, voire encore plus tard. J'aurai le temps de revenir ici avec mes enfants. Tout ça pour faire aussi un petit message de prévention, de bien faire attention quand vous faites de la pêche à l'aimant. Parce que soit c'est fun, ça passe le temps, mais on ne sait jamais ce qu'il y a au bout de la corde. Allez, merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles aventures. Tchuss.